system hot shakes. Let's make it hot sex. TSM. Let's go. Bonsoir. Salut. C'est la GSL, troisième match, sous-entendu, le match des gagnants. Le match des gagnants. Et le match des gagnants oppose, contre toute attente, Sky-High à Dark, oui. Puisque Parting s'est incliné dans le premier match. Et ça, c'était une sacrée performance, comme nous le montre Yata Yata-kun, le meilleur réalisateur de la O-Gaming Caverne. Ah, je sais pas. Tu l'as vu dans la vidéo Bellucci, ce qu'il dit à un moment. Ouais, non, mais ouais, 56K, normal quand je fais une réalisation. Le minimum, je pense que c'est le minimum quand je réa. C'est le génie, quoi. Oh putain de génie. Ah là là, on t'aime, Yatakun. Sky-High qui a battu Parting 2-1. Ce qui, du coup, bah, personnellement, moi m'a vachement étonné. D'autant qu'il a montré de très belles choses. Une très bonne macro game sur la première game. Il se fait un petit peu arnaquer par vraiment le réalisme de Parting qui fait tous les bons moves. Ouais. Et puis deuxième, troisième game, la macro game qui va bien, l'agressivité, les drops. Et la troisième, il défend un build qui est quand même, on le sait, très compliqué à défendre. Ouais. Et il fait une game impeccable. Et surtout qu'il se coûte très tard. Hein, ouais. Au Reaper, la balise de la flotte est quasi terminée. Donc ouais, Sky-High qui n'était pas dans une configuration pour gagner la troisième game et qui pourtant fait les bons moves. Et qui le place du coup dans ce winner match face à Dark, qui pour le coup lui a été impérial face à MMA. Mm-hmm. Tout s'est passé comme prévu. Un petit peu comme on attendait. MMA qui a pour le coup vraiment pas mal joué. Hein. Y a rien à dire sur la performance d'MMA, même si la première... Voilà, quand tu joues mecha, tu campes et puis qu'au moment où tu arrives au bout de ta camp, tu te fais marcher sur la gueule, ça fait toujours un petit peu bizarre, mais la deuxième game, il joue bio, il joue agressif, il joue drop orienté comme on aime le voir jouer. Il fait une game très tendue face à Dark, mais un petit peu trop solide, le jeune joueur de chez SK Telecom qui s'impose face à MMA 2-0. Et donc du coup winner match, ZVT à nouveau. Est-ce que Sky-High a pris des notes parce qu'il a eu de l'info sur la manière dont Dark va jouer ce match-up? Et surtout, est-ce que tu crois qu'il sera en confiance pour jouer son mecha traditionnel quand il a vu la performance de Dark sur la première game? C'est vrai que ça, faut l'envisager aussi. Est-ce que Sky-High va réussir à poser son mecha avec le niveau de jeu qu'a proposé Dark juste avant? Est-ce qu'il faut s'aventurer sur un terrain sur lequel on est moins à l'aise juste parce qu'on a été impressionné par son adversaire avant? C'est toutes les problématiques des tournois, hein. Franchement, c'est... quand on est ops comme ça, c'est plus simple, mais c'est vrai que quand on est dedans, on se pose vraiment des questions, genre attends, mais je vais vraiment faire ça, parce que là il vient de me poutrer, il vient de poutrer l'autre là-dessus, pourquoi moi ça passerait, etc. Et finalement, c'est là que servent les coachs, c'est là où les coachs te conseillent. Ouais. Des gens avec beaucoup d'expérience arrivent et te disent, attends poteau, je t'explique. Attends, c'est comme ça que ça va se passer, et tout va bien aller, tu suis ce que je te dis, toi tu utilises tes doigts pour faire pleuvoir les APM, et la victoire sera tienne. On décidera ça dans quelques instants puisque la première game est partie. Et en haut à gauche, sur Koda, pour la team SK Telecom, c'est Dark. Puni. Darkounet. Solide. En et confiance. Opposé à lui, pour la team CJNTUS en bas à droite, il s'agit de Sky-High. Sky-High. Plutôt stylé comme pseudo, je trouve. C'est assez classique, j'ai envie de dire presque, mais ça sonne bien, tu vois. C'est vrai que c'est pas classique. Non, mais tu vois, ça pourrait être Sky. Non, oui, c'est non, Sky bien High, sûr. Tu vois. C'est vrai que si c'était un. Oh, mais tandis que Patrice Launay. Patrice Launay de la Vega. Ouais, quoi. Et le voilà, Patrice Launay, le petit Wallet qui il a le droit dédié. À son Wallet. 2071e sub. Qu'est-ce qui s'est passé en 2071? Ah bon, on peut plus faire ce jeu-là. On est en 2015. Bah, ce n'est pas possible. Ce jeu ne marche plus. Eh oui. Est-ce que tu faisais ce jeu-là à une époque, toi? Bah, au moment où on était autour des 1900 et quelques, je m'amusais à. Solide. Enfin, même. Je crois que j'avais posé la colle du 1461 à un moment et. Ouais, j'avais rien en tête. Hein. Bah, ah, d'accord. Tu lui as posé la colle, mais toi, tu savais pas. Non, bien sûr. Moi, j'arrive, je pose une colle à mon co-caster, ça peut pas dire que j'ai la réponse. 1461, hein. J'en ai aucune idée, mec. Non, il s'est pas passé des trucs. Il s'est passé un truc. Ah, il s'est passé des trucs, hein, c'est clair. Le monde n'a jamais vécu sans qu'il ne se passe rien pendant un an, mais je ne l'avais pas en tout cas. All right. Moi j'ai retenu des dates un peu plus classiques, hein, comme 1492, tu vois. Mm-hmm. 1515. Le bon Christophe Colomb ou la prise de la Bastille. Attention, ici, on est parti CC First et Hatch First.
Ouais. Macro orienté pour les deux joueurs, on est sur Coda, on ouvre un petit peu le BO3, round d'observation. Ouais. C'est quoi, toi et moi, on va un petit peu macro, on va voir ce que ça donne. On va jouer ensemble. Ceci étant, pour Dark, il y a plusieurs opportunités. On l'a vu très rapidement confirmer le méca de MMA dans la première game, sur le premier BO3 qu'ils ont joué. Et il a pris la décision de dire, ok, on est sur une grande map, je vais expandre, je vais faire beaucoup de drones et je vais faire empiler tout ce qui est upgrade, etc., etc. Alors là, il y a une autre opportunité. On est dans un nouveau BO3, on sait que Skyeye a une tendance à jouer mecha. Mmh. Si nous autres, petits commentateurs francophones, tout sommes au courant qu'il y a une propension de Skyeye à jouer mec, je pense Dark que Dark, le sait. Oui, Dark s'en souvient. Donc est-ce que tu all-in, est-ce que tu bourres le mec par défaut ou est-ce que tu... Première game, tu joues macro et tu essaies de le battre en macro, même s'il joue méga. Moi, j'ai envie de prôner en all-in parce que Dark, il en a pas fait sur le BO d'avant. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que. Ouh, tandis que j'ai un alt-tab, mais on s'en fout puisque ce n'est pas mon PC qui gère. La mise à jour iTunes, hein, bien sûr. Voilà, classique. Personne n'utilise iTunes depuis 14 ans, mais. Bah, moi, oui. Putain. Tu me débectes. Pourquoi tu utilises iTunes? Tu veux que j'utilise. T'as un iPod? Oui, j'ai un iPhone. J'ai un iPhone, ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'achète pas l'iPhone. Ah, coquine, ouais. Parce que iTunes me file la gale. Donc ça, ouais, c'est mal branlé, ce truc. Tu mentionnais une possibilité qui est du all-in. C'est vrai que Dark, c'est pas le dernier qui, quand il s'agit de bourrer son adversaire avec les héros, hein, du debanning, ce genre de choses. Donc c'est complètement une possibilité, surtout qu'on est sur une carte où les distances de rush sont pas gigantesques. Donc pourquoi pas, on va voir ce qui va être décidé quand même par l'un et l'autre des deux joueurs, Factory Follow-Up de la part de Skyeye, mais est-ce qu'on attendait quoi que ce soit d'autre? Non, je pense pas qu'on puisse proposer autre chose à ce timing-là de la partie dans la méta actuelle, mais tout à fait bourré de la part de Skyeye et dans ses compétences, et de la part de Dark, excusez-moi, et j'ai bien envie de voir, allez, je sais pas, pose-moi un petit bata banning, non, il est sur un péon. C'est vrai qu'il a cut le gaz, hein. Il a cut, fripouille. Alors pose-moi une troisième hatch. Et fait un putain de timing banning sur 3 hatch. Ah, le 1-1 link banning speed. Ouais. Ah, tu l'aimes bien celui-là? Celui-là, quand je me le prends, je suis mort en général. À scouter, il est tellement hardcore à moindre niveau que c'est 100% loose, quoi. Par contre, côté Skyeye, ça pourrait défendre. Ici, on pose un spatioport. C'est un turbo mutant encore, cette histoire là, de la part de Dark. Alors, au moment où je dis ça, il va quand même poser la B3. Ah, une B3. Non, parce que tu sais, il continue de cut. Enfin, c'est surtout le timing relativement late en fait de la B3 qui me faisait dire ça. Roach Warren. Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut nous en faire? Yon push. Ouais, avec une B3 en fake. Ceci étant. Faudrait recommencer le minage, quoi. Et prendre 3 gaz. Visiblement, chez Skyeye, on n'est pas vraiment intéressé par ce qui se passe de l'autre côté de la carte. Il n'y a pas eu de confirmation de quoi que ce soit d'autre après le premier scout. Et on a cuté les Reapers, bien sûr, parce que c'était un CC first. Les premiers Lions vont venir là. Et ouais, le Medivac. Ouais. Carré C2. Qui rejoint la route tout poutre et qui est 2072e. Qu'est-ce qui s'est passé en 2072? Non, on va pas faire cette blague deux fois. Le Medivac, les Lions, la production de Marine. Ah, le Elbat Push qui va arriver quand même. Armory, mais c'est scouté tellement vite par Dark. Positionnement de l'Armory un petit peu questionnable quand même pour Sky, tu trouves pas? Tout à fait, non, c'est un peu foireux. C'est très visible. Moi j'aime bien. Mais en même temps, sur. Non, j'aurais bien aimé la poser là. Il sortait d'où cet Overlord? Il a traversé toute la BA en fait. Non, c'est l'Overlord du Nord, je pense. C'est celui qui a fait ce chemin-là, là. T'es sûr? Mais justement, il est pas allé jusqu'au bout, si, regarde, il est allé jusqu'au bout. Ah ouais, non. Et il est revenu après. Ah ok, autant pour moi. Donc c'est vrai que dans ce genre de config, finalement, tu peux la mettre où tu veux, ton armurerie, il va scanner, il va voir toute ta B1. Alors tu la mets dans la B2 de manière un peu bête, je sais pas. Pas facile, hein, d'anticiper les scouts de l'adversaire. Pendant que là, on est en train de nous préparer un... C'est bien, il y a une push, hein, je pense. Hein. On est bel et bien sur... Alors deux gaz, ça, je sais pas, ça me paraît peu, mais deux gaz, ok. Avec des roaches, avec des bannings. On est en train de faire beaucoup de zerling pour le joueur Zerg ici. Il a droppé 4 rayons quand même dans la main, fais attention. Oui, c'est pas mal fait. Il essaye de brain dans le brain. Le timing et le bat qui se transforme en drop et lion. Oh, il s'est fait calmer. Par contre, il s'est fait calmer sévèrement, ouais. Ouais, il s'est fait calmer. Mais même dans la B1, hein, il a tué que deux drones. Avec 4 Elions, alors qu'il s'était défendu à base de 5 Sigling, donc je suis un peu surpris que Skyeye ait pas plus appuyé sur son push ici. Beaucoup d'unités, beaucoup trop d'unités qui traversent la map pour le joueur Zerg. On va morfer quoi, 15 Bending là. Oh là 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 là. Il va y avoir un tank et c'est tout. Et à mon avis, ce tank il va tellement se faire prendre à la gorge dès que le wall va exploser. Il y a même pas de Marines dans ce bunker. Il y a deux Marines, il a deux Marines. Il va les buter avant, il va les buter. Ah non, dommage. Et là, voilà, on se prête un petit peu, on va mettre un Roach en première ligne. Voilà le Roach en première ligne qui prend deux shots de Tang et qui meurt. Mais voilà, ici,
Wall qui tombe, c'est un carnage. C'est un carnage et c'est une très bonne lecture de jeu de la part de Dark qui était parti sur un peu timing push très agressif avec le roach, avec les roach et les banling. Le timing et le bat est complètement raté. Dark qui a parfaitement lu cette game et qui va prendre une victoire facile dans ce premier, dans cette première game de ce BO3. Dark qui a l'air d'écraser un petit peu la concurrence pour le moment en tout cas. Ah là c'est pas bien ce qu'il est en train de lui mettre, c'est pas bien du tout ici. Bien les banling qui ont fini de morpher, regardez-moi cette ligne minerai. On n'aura pas le temps. Oh, ils ont disparu juste avant. Le brouillard de guerre qui est venu juste pour te mettre un petit coup dans le... Genre, non, attends. Les bennings, là, c'est trop porn. C'est pas le but de ce jeu. C'est ça. Et t'as vu Skyri qui a scanné la B3. Ouais. Il en était pas convaincu. Est-ce qu'il avait pas pris B3 et je me suis fait embrouiller? Mais bon, au final... Je fais un petit bug juste pour voir s'il l'avait vu avant. Il la scanne à la fin, là, mais je pense qu'il l'avait pas vu. Mais de toute façon, il y a pas de péon dessus... C'est Yun Push quoi, Yun Push, truc violent. Qui pour le coup ne se met pas du tout dans une bonne, situation quand tu fais face tout simplement à un timing push et le bat. Les deux builds qui se sont rentrés dans l'art et ça n'a pas du tout été à l'avantage de Skyeye qui n'a pas du tout eu l'occasion de mettre en place son jeu sur cette game. On lui a dit rentre chez toi très rapidement et lançons la game 2. Parce que tes timing push et le bat, figure-toi que j'en ai rien à foutre. Tandis que Choco Puré, lui, il en a quelque chose à foutre parce qu'il sub. Ouais. Il soutient OG, tu vois. Ouais. Ça, c'est important à ses yeux, OG. Et merci à toi, mon bon Choco Puré. C'est un mix quand même assez bizarre. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2073 2074. Non, 2073. Tout à l'heure, c'était 72, je crois. On va voir. Ça se trouve, on a perdu un sub entre les deux. Hein. Et du coup, on peut toujours réfléchir à ce qui s'est passé en 2072. Ou ce qui se passera en 2072. On peut commencer les pronos. Hein. On est caster StarCraft 2. On peut commencer à timer des pronostics. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'on vit sur une autre planète en 2072? Ou est-ce qu'on a une autre planète qui est habitée? On a des colonies sur des planètes sœurs, je pense, en 2072. Des planètes sœurs ou une? Sur une planète sœur et sur un truc chelou, tu vois, genre sur... de toute façon, on doit avoir des gens sur Mars, par exemple, qui n'est pas du tout une planète sœur. Mais on devrait avoir des gens sur Mars bientôt. Qui n'est pas habitable. Mais t'as fait, on est en train de faire des tests. Il y a un petit mec, un Français, je crois, qui va vivre un an dans une coquille, je crois, non? Dans une coquille. Pour simuler... Ouais, non, qui va vivre en autarcie pendant un an, sans aucun contact, pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour simuler un trajet jusqu'à... Jusqu'à Mars. Mm-hmm. Donc voilà, c'est. Y a des gens volontaires pour faire des trucs de fou quand même. Ouais. Des ouf. 2072, c'est dans combien d'années? C'est dans plus 7, plus 57 ans. Mm-hmm. Waouh, 57 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. S'il y a 57 ans, on voyait le monde différemment que maintenant. Hein. Ouais. Bah ouais, carrément, mec. Déjà, on n'était pas nés, nous. Mes parents n'étaient pas nés. Tu vois. Tes parents n'étaient pas nés? Non. Putain, t'es vraiment jeune. Hein. Ouais, mes parents n'étaient pas nés. À quelques années près, hein, mais ouais. Ouais. Et du coup, si je fais le calcul rapidement, eh bien, on était en 57 ans. On a dit 58, du coup. Waouh, 58, mec. Mm-hmm. Invention de la PS1. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il raconte, putain? En haut à gauche, il a pris un Yon Push dans les dents. Et ça lui a fait mal, mal, mal. Va-t-il pouvoir se rattraper sur cette game 2 Skyeye pour Sigentus. En haut à gauche de Terraformation. Tandis que Yata est en train de se toucher le set. Je me fais mon intro à ma façon, voilà. Ouais. Après, il attendait peut-être que tu introduises Dark, puisque tu as montré Dark pendant 30 secondes jusqu'à ce que tu bouges. C'est vrai, mais c'était la blague PS1. Et pendant ce temps-là, en bas à droite, pour la team SK Telecom, il s'agit de Dork. 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 I'm here in the darkness. I'm here in the darkness. Ouais, je m'appelle Dark. Ouais. Retourne-moi moins sur Dofus, je m'appelle Dark. Ouais. Sombre Dark. Il y a deux façons de le voir, ce pseudo. C'est vrai. Façon un petit peu Dark Templar. Oui. Façon un peu badass. Je vous attends. Nerma. Pour la cause. Ah, putain. Ça, c'était sur Baudouin. Hein. Ouais. Ah putain. C'est Zerator la semaine dernière qui a mis. Oui. Comme ça en son de sève. Tu sais, parce qu'il change toutes les semaines, Zera. Et il a mis ça il y a une semaine, c'était. Oui. Et à chaque fois, il y a 2-3 fois, ça s'est timé où il. Vous pensez vraiment que ça va se passer comme ça? Il entend le. Oui. Du mec qui sève, le timing parfait. Excellent. Exactement. Alors maintenant que tu dis ça, est-ce que t'es sûr que c'était le DT de Broudoir? Il en a parlé, il a dit que c'était ça. Ah moi j'en suis quasi sûr hein, que c'est le DT de Broudoir. Parce que ça pourrait être un truc de Warcraft 3 aussi. Hein. Ah non, c'est le DT de Broudoir, ça je suis sûr. D'accord, à 100. Okay. Bah, vas-y, okay. Check le chat si tu veux. Mais je suis dites-nous sur le chat si vous le savez les amis, mais je suis quasi sûr à 100% que c'est le DT de StarCraft. Oui, je vous attends.
Qu'est-ce qu'il y a? Ivarèche qui dit 2072, Anno Space GM sur Legacy of the Void. 2072, on tombe sur des protos et on s'aperçoit qu'on est vraiment imba. Ça, je suis pas convaincu, hein, parce que si on a toujours des petites mitraillettes contre des lasers, mec, on n'est pas bien. Hein. Oui, parce que clairement, StarCraft, c'est un peu romancé de ce point de vue-là. Hein. Moi, je pense que la techno protos, elle te latte la gueule. Rappelons rapidement l'histoire de Marsara. Hein. Ouais. Voilà, hein, que t'es un cuirassé ou non, c'est rapide, tu meurs. Et donc du coup, bon, les mitraillettes, ça sert à rien dans ce genre de situation. On est reparti CC First, côté Sky High. On a kiffé. Hein. CC First into Bunkeru, pour être un petit poil safe, il a scouté OSCV. Qu'a-t-il vu, mon bon il a mon pas bon vu, il a vu. Il allait checker jusqu'au gaz, quoi. Il a vu le gaz, voilà. Okay. Il a vu le timing. Donc, il est conscient du potentiel. Enfin, ceci étant, est-ce que tu vois vraiment des gazless Zerg à l'heure actuelle? C'est pas vraiment le cas. À moins que tu partes sur un build order genre Rochin. Où tu prends tes gaz très tard, mais c'est vraiment pas plus. En pas fait, populaire, maintenant, ils ont fait ça tellement longtemps, les Zerg, qu'un Terran qui voit pas de gaz, il fait attention, je vais faire 3 tanks blind. Voilà, un tank, au moins 2 tanks, 10 bunkers et des maraudeurs. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a quand même. Ah, bah, tu reviendras avec ton 2-2 et je vais perdre quand même, d'accord. Toi aussi, tu crèves sur le timing push de 2 Rotidra sur ta B3. Exactement. T'essayes de la prendre trop tôt. C'est ça. C'est juste ça. En fait. Et puis, si jamais je meurs pas, j'ai pris tellement cher que la Viper derrière me détruit la gueule. Le Rotidra, j'ai pas trouvé la solution, mais même le TVZ en général, je n'ai pas trouvé la solution. Mm. Par contre, si tu veux une magnifique game de TVZ de moi, tu vas voir la rediff de lundi soir. Franchement, j'avais envie de m'auto-faire des bisous à la fin, tellement c'était beau. Mm. Voilà. J'apprécie le fait que tu aies parlé de bisous et non pas d'autre chose. Oui. Le SCV qui scoutait la B3 qui va se faire repousser par quelques Zerglings, 9 drones supplémentaires et deuxième gaz. Herbert pour le court. Joueur Terran. Non. Ah, catastrophe. Chopé. Un Herbert qui nous quitte. Et comme tu disais, double gaz. Double gaz. Double gaz. Alors c'est vrai que. Il s'est quand même fait sévèrement latter par un build agressif sur la première game. Donc j'aurais bien aimé voir une Banshee, moi. Ouais, mais est-ce que skipper pas le tech lab derrière le Marine? Je pense que tu peux te le permettre. Hein. En termes de timing, c'est moins sexy. C'est moins sexy. Mais ça fonctionne aussi. Mais c'est le Marine qui empêche que l'Overlord rentre gratuitement. Je sais pas, on va voir. S'il choisit de faire le tech lab avec son deuxième gaz, la logique voudrait qu'il le paye quand même. On a un Roach Warren une fois de plus, quand même, de la part de Dark. Le coquin. Ah, le coquinou. Hein. Le coquin. Coquinou, il est appelé comme ça en Corée. El coquinou complètement. Et du coup, Viking? Medivac. Oh mec, Medivac encore, agression, attention. Ouais, hein. Bah, armuril. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, je suis vraiment pas en accord avec les timing push Elbat. Hein. Vraiment, je trouve ça t'aimes nul. Pas ça je trouve ça de plus en plus nul. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où réellement, t'avais l'impression que c'était le truc golden. Genre, tu pouvais battre des airs trop rapidement, chose qui te fait toujours plaisir hein, depuis que le double axe ne fonctionne plus vraiment. Là. Depuis que les mecs ont trouvé la solution, à savoir bah, tu times bien ton banning nest et tu fais pas chier, j'ai souvent l'impression que le timing push Elbat, c'est un truc qui fait allez, 2 queens, 3-4 drones et puis ensuite t'as perdu la game. C'est un peu le feeling que j'ai. Après, je suis peut-être méchant sur ce truc-là, mais il y a pas mal de gens avec lesquels les gens sont un petit peu d'accord sur ça. J'ai un peu bugué sur cette phrase, mais je suis pas vraiment convaincu par ça. Et ici, c'est vu. Enfin, je veux dire, un mec du niveau de Dark, il voit passer 6 Lions, il voit passer un Medivac avec des Marines dedans, il sait que c'est le Elbat push et comme il a déjà des Roach dehors. Bah, c'est parfait. C'est bien. Et là, il a la réponse. Hein. Oh, par contre, attention. Prends des risques là. Tes Roach sont au milieu de map. Ouais. Attention, les Lions. Ils vont y aller. Bah, ouais, là, ah, bah oui, go in. Hein. Oh, oui, c'est beau. Oh, les Glings qui font un peu peur, c'est dommage. Il va aller voir sur la B3, mais il n'y a rien. Et la contre-attaque de Roach pourrait faire mal. Hein. Bah, elle pourrait au moins détruire le dépôt, je pense. Ouais, carrément, détruire un dépôt. Derrière, il y a un tank en prod, mais il sera pas là assez tôt. À mon avis, si Dark les envoie bien, ils peuvent prendre un dépôt ou prendre au moins 4-5 SCV. Hein. Ah, il va forcer la réparation de SCV dans le volet. Donc, et du coup, les fameux SCV dont tu parlais sont en train de tomber. 3 SCV désormais, 4 SCV désormais, 5, 6, 7. Ça va monter très très vite. Du coup, les Elbats sont obligés. Enfin, les Lions sont obligés de revenir. Et les dégâts économiques sont nuls. 45 drones à 37 SCV. Il a détruit aucun drone, le joueur Zerg. Et ça, c'est quand même problématique. La situation, voilà, le Terran va mettre l'agression et bien il se retrouve à perdre des drones et à ne pas en tuer son adversaire, c'est quand même une triste histoire. Pendant ce temps-là, on est en train d'envoyer le Roach Speed. Est-ce qu'on va pas partir sur une compo Roach directement? On se doute du mecha sûrement côté Dark. Ouais, et à raison, puisque les deux factories supplémentaires sont en train d'être envoyées de la part de SkyEye. Et donc du coup, ce sera la technologie mécanique qui va être envoyée de la part de notre joueur Terran ici. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un drop tank? Il charge 2 tanks dans ses Medivacs. Pour aller un push Elbat Marine Tank, pourquoi pas, contre toute autre composition qui soit contre mecha, genre un mec qui justement va grid, faire beaucoup de drones, positionner une B4, les timing push un petit peu intermédiaires comme ça, je les trouve intéressants. Mais là, c'est un mec qui joue Roach et qui est en train de rechercher le Roach Speed, il est à 60 secondes de son Roach Speed, je pense qu'il va se faire complètement banane. Où est-ce qu'il va poser ses tanks? Est-ce qu'il va nous prouver, il va me prouver tort en trouvant une position pétée pour ses deux tanks?
Allez, attention, pas, hein. Il va en drop 1, le deuxième, ils se sont déjà attaqués, les Gliegling qui meurent très très vite. Et attention, hein, il a beaucoup de troupes quand même par rapport aux joueurs Zerg, je trouve là-dessus sur ses pushes. Allez, il faudrait en siège 1, peut-être pas 2, si, il en siège 2 quand même. Et là, il va commencer à taper la hache, est-ce qu'il faudrait pas envoyer, je sais pas, 4 Hélions directement dans la ligne de minerai. Oh, ici, les tanks qui font mal, ils se prêtent bien le bon Dark, ça se passe bien pour le joueur Terran quand même, je crois. Ouais, le joueur Terran qui est en train d'échanger quand même pas mal d'unités contre principalement des Rhodes, donc pas mal de gaz, mais ça y est, les Arlings sont en train d'arriver au corps à corps, il va sauver ses tanks. Ça, mais encore une fois, dégâts économiques nuls. C'est pour ça, ouais, j'aurais bien aimé qu'il envoie, il démorphe en fait ces 4 rayons et qu'il les envoie dans la ligne de minerai, tu vois. Ouais. Qu'il empêche le minage au moins une quelques secondes. Là, il a vraiment. Bon, j'ai bien aimé le move du. Bon, en termes de timing, je sens que mes tanks vont mourir dans 3 secondes. Je les dessiège et je les sauve. Très bien fait, ça, de la part de Skyrai, qui a perdu des troupes essentiellement composées de minerai. Hein. Ouais. Mais du coup, ce qui fait qu'il est un peu tout nul. Bah, il accuse le coup en termes de population. Il a une trentaine de pop de retard pour le moment. Et cette P3, elle va être un petit peu difficile à tenir. Dark qui passe à l'offensive avec son armée au sud de la carte. Beaucoup de Zergling, beaucoup de Roach. Alors il y a pas mal de tanks en position pour Sky High, mais il n'y a pas encore vraiment de wall. Donc si les Zergling arrivent au corps à corps, ça pourrait se barrer en couille très vite. Et on pense à la suite de la game. Quatrième base, bataille Hydra, bataille Infestor envoyée de la part de Dark. Et la première agression qui arrive. Et le T3 aussi. Hein. T3 ouais. Qui est envoyé. Donc là on est en train de vraiment de full taker. Attention, il n'y a pas d'Elion. Il n'y a pas d'Elion, il n'y a pas d'Elbat sur cette fight. Oh, ici on va les dropper on the goal. Les Lions qui voulaient être peut-être plus agressifs là-dessus. On va perdre et bien deux tanks et quelques SCV. Ah, Dark qui embête. Et ici, regarde, il va pour un minage. Hein. Le tank n'est pas à portée. Il peut aller escalader derrière le minerai. Ouais, ouais, il lui pourrit sa game. Hein. Il lui pourrit sa game. Choper pas mal de tanks et donc, du coup, pas mal de gaz qui a été prélevé. Il va prélever aussi un extracteur. Donc, limiter encore une fois l'économie gazéifiée du joueur mecha qui, comme vous le savez, est vraiment le facteur limitant. Donc, c'est très, très problématique. Surtout pour un joueur Terran qui, quand même, est un peu gourmand avec double armory. Il va essayer d'empiler les upgrades, mais pour l'instant, il en empile que dalle. Voilà, il vient de lancer le 2 et le 1 de défense. Si le timing agressif de Dark réussit, ça pourrait être très, très, très problématique parce que là t'investis beaucoup de ressources dans quelque chose qui ne t'a pas à proprement parler. C'est quelque chose qui te servira dans 5 minutes mais pour le moment faut survivre côté, côté Sky High. Je sais pas si c'est le meilleur choix à faire comme les tu dis. Les rois du bureau sur la B3. Où est-ce qu'il va aller? Il n'y a pas de tourelle. Hein. Il n'y a pas de tourelle. C'est au nord, c'est ça que tu montrais. Est-ce que tu veux vraiment le dévoiler maintenant quand il y a zéro tourelle? Il peut y en avoir dans quelques secondes en attendant ici. Voilà, bah on va choper un tank. Ici, ils sont où les deux autres? Ouais, ils sont dans la main. Ils vont monter dans la B1. Ouais, ils vont monter dans la B1. Le drop Elbat en haut à droite a fait un petit peu de dégâts, mais seulement 4 collecteurs. C'est pas suffisant. Les Roach Bureau sont encore actifs dans la B3. Il est en train de faire une très très bonne game Dark. Il est en train de mettre la pression, forcer le scan du joueur Terran dans la main. Et là du coup on a un Terran, bon au final que la game dure c'est pas forcément problématique pour lui, hein. Lui il est en train de jouer vraiment la mecha campi donc c'est pas très très grave, mais il accuse le coup en termes de dégâts, en termes d'économie et de nombre de bases. On est déjà sur un Zerg à 5 bases qui pose son bata ultra, tu l'as mentionné, il est parti très très rapidement vers le T3. Ah, il est parti extrêmement vite sur le T3. Dark, il n'a pas peur de. Il y a un truc qui te fait marrer? Non. C'est ce Roach hors de portée. Il y en a un dans chaque base. Et ouais, il part à chaque fois très très vite sur la tech. Et regardez, il a déjà son bata ultra à 14 minutes de jeu. C'est incroyable. Il est en train de partir très très rapidement. Et bien aussi sur son plus 1 d'attaque pour que ses ultras, en plus de tanker, et bien tapent. Et là, on est en train d'envoyer des petits run-by de Roach Bureau qui font chier le monde quand même, disons-le. Et en Terran, ouais. Ça rend ouf. Surtout quand tu joues mecha, c'est tellement mobile quoi. Dans la main, obligé de mettre 2 vikings au sol pour se débarrasser du road qui vient d'être détruit au nord. Voilà, un scan qui a été utilisé, mais ça c'est de la ressource perdue encore une fois. Et double spire, une fois de plus par Dark. Donc une variante un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on commence à retomber sur ses pattes niveau en termes de stratégie par rapport à la game 1 face à MMA. Donc la double spire, le jeu mecha, enfin le jeu late game du joueur Zerg, beaucoup de creep, beaucoup de base. Mais ça a démarré par de l'agression. Donc on va voir s'il va être aussi à l'aise qu'à la game 1 contre MMA parce qu'il n'a pas la même économie non plus. Il n'a pas banqué autant de ressources. Et pour autant, il va accepter la macro game, 11 rounds supplémentaires. C'est pas mal ce que propose Dark, mais il y a quand même une sacrée pop de la part de Sky High qui a été moins. Enfin, disons qu'il va faire face à une armée moins upgradée. On est encore loin des corrupteurs Broodlord 3-3 là. Hein. Clairement, mais attends, qu'est-ce qu'il va faire de ces 93 drones là? Il va banquer comme un gros sac. Hein. Sérieusement? Ouais, je pense que c'est ça qu'il fait. Hein. Oh, ils sont crispants. Il veut une économie B4,5 quoi. Il a 2500 de minerai minute. Bonsoir. Et bientôt 1200 de gaz aussi du coup. Oh là. Et le creep encore une fois. Le ouais. Creep mec. Incroyable. Ça le creep. C'est fou, hein. Il a combien d'APM? Il a quasiment 300 d'APM minute. C'est un peu débile de dire minute. Mais. D'APM minute. Voilà, c'est l'action par minute. Attention, faut pas déconner avec l'APM minute. Et du coup ouais, on est en train de simplement défoncer Terraformation à base de creep.
Bah là, quand tes tanks en fait qui sont devant ta B2 sont en train de repousser des creep tumeurs, c'est un peu problématique. Quoi. Ouais, ou au niveau de ta B4, un petit rien avancé aussi, mais ouais. c'est pas pratique pour mettre des tourelles, notamment ici. Beaucoup de roaches qui vont dans la B2, dans la B3, pardon. On va aller trade contre de la pop économique hein, pour le joueur Zerg. On n'en veut plus de ces roaches, ils servent plus à grand chose finalement. On va les remplacer par des ultralisques et des broodlords. Attention ici, voilà, ils vont choper 15 SCV, mine de rien, 15 SCV et des Hellbats. Ils ont c'est... fait mal. Non, mais c'est très bien parce que concrètement, un joueur Zerg de moins bon level va arriver à la même conclusion que Dark. Il faut que j'échange mes roaches. Mais il va pas les échanger contre 15 SCV et 10 Hellbats. Il va les empaler dans 5 tanks. Ouais. C'est très très bien fait. Du coup, ça ouvre une possibilité peut-être pour cette composition ultra queen pour aller se débarrasser peut-être de cette PF. Attention quand même, la réparation est très très bonne de la part du joueur Terran. Mais ça y est, il y a beaucoup de surface d'attaque. Est-ce qu'il peut le faire? Il y a tellement de transfusions. La PF qui va tomber, incroyable. Il y avait 7 tanks derrière. Et malgré tout, le joueur Zerg continue d'avancer et ce trade est tellement tellement intéressant pour Dark, même s'il va perdre beaucoup d'unités, il a la thune pour reproduire. Ah, j'aurais bien aimé qu'il arrête après la PF qui back, mais ouais. il a enchaîné le joueur Zerg ici, il s'est queen sur la retraite, il est en train de nous prendre 10 ultralisques. Oh là, 10 fucking ultralisques. Pour l'instant, des ultralisques qui tapent pas fort, on l'a dit, hein. Ils sont dans quelques secondes 2 d'attaque. Donc là déjà, il y aura une énorme 10 sur du 2 de défense mécanique. Attention, celui-ci, il faut le faire survivre, il faut le heal à fond. Et bien attends, mais il y va vraiment Skyrim, il a que dalle. Hein. Ah, il va tenter, il va pas, et en termes d'écho, il est trop derrière. C'est ça, il peut pas se laisser attraper comme ça par le joueur Zerg. Encore une fois, très bon Blinding Cloud, le Viper qui finit par tomber quand même contre les Vikings du joueur Terran. C'est pas mal fait, mais là les Ultras commencent à arriver au corps à corps, commencent à dépenser leurs dégâts. C'est pas mal ce qu'est en train de faire Sky High. C'est quoi la reprod du joueur Zerg? Toujours plus d'Ultralisque et quelques Zerglings pour arriver au corps à corps. Il va se débarrasser d'une base, mais à mon avis, pas beaucoup plus. Faut pas qu'il continue là, le joueur Terran, il va se faire repousser. Bon, les Ultralisques qui sont envoyés à la queue leu-leu, ouais, hein. C'est dommage. C'est la troupe des éléphants qui est en train de progresser vers l'armée Terran, mais rappelons-le, ils sont que 2 de défense pour le moment. Avec la carapace chitineuse, attention, il y a des glings. Oh, il y a des glings dans le délire et ça c'est bien fait, il y a très peu de Hellbats. Ils font très très mal ces Zerglings qui sont 2-2 mine de rien, et ici ça tape les Ultralisques qui vont réussir à nettoyer tout ce bazar. Ouais. Est-ce que ça sonnerait pas le glas de Skyrim dans cette carte? Il a beaucoup donné là. Beaucoup donné sur cette fight. Il avait semblé prendre de bonnes fights et encore une fois le goulot d'étranglement a failli fonctionner pour lui. Il aurait peut-être pu péter le caillou au milieu de tout ça, mais c'était quand même compliqué, assez gourmand en APM. Là ce coup-ci, eh bien la B4 Gold du joueur Terran, elle est complètement exposée. Il y a seulement 2 tanks. Ce coup-ci, c'est même pas une Planetary Fortress. Il est en train de donner ses Vikings de l'autre côté de la carte pour aller essayer de chasser des Overlords, sauf que les Queens sont en position. J'ai l'impression que Dark va sortir de ce groupe avec un 4-0 et un 4-0 mérité en tout cas contre Terran, parce que sa composition contre Mecha est impeccable. Ouais, non, c'est très bien dosé, très bien géré de la part de Dark. GG. Et ça passe avec de l'ultra contre Mastank. Franchement, Dark, à chaque fois, les bons engagements, la bonne reprod, la bonne macro, rien à dire. Ouais, c'est parfait. C'est très très bien exécuté de la part du joueur de chez SK Telecom, qui tient son rang, qui tient son grade et qui s'impose du coup 4-0 dans ce groupe, comme tu disais. On a notre premier qualifié. Ouais, non, il a vraiment, vraiment pas sué hein, pour s'imposer dans ce groupe. Ça a été très, 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 très bien fait. Sky High qui doit être un petit peu mad parce qu'il a vraiment pas eu l'occasion de montrer de quel bois il était fait. Mais là, il y avait encore une fois, peut-être pas... Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'il a fait des games, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu moins close que MMA. Pourtant, Sky High est peut-être à l'heure actuelle un meilleur joueur que MMA. Mais dans les deux cas, son ZVT a semblé au point. Quelles que soient les compositions, il y a le multitask, il y a la gestion de la défense. À chaque fois contre Mecha, il prend aucun des dégâts des run by Elion, des drops, des timing push Hellbat. On a eu plusieurs variantes, plusieurs styles différents des deux joueurs Terran. L'un qui a plutôt tenté de jouer multi-drop ou alors run by Elion, là on a plutôt eu des timing push Hellbat. Mais dans les deux cas, son économie, elle est intacte. Et elle lui permet soit de camper comme un gros sac, de faire des broodlords, de faire des ultras, ou alors en l'occurrence dans ces games-là, de repousser, d'attaquer avec Roach Bureau. Voilà, il est là, il est présent. Et Sronok est aussi posé dans son canapé. Les vacances sont finies, mais c'est pas pour autant qu'on arrête de boire la bière côté Sronok, j'ai l'impression. Oh bah non. Oh bah non. Bah non, mec. Je vois pas de quoi tu parles, moi. Qu'est-ce que tu dis? Tandis que là, on boit du Yop. Non, je sais pas ce que c'est. On dirait du savon presque. C'est quoi, mec? Par contre, il a une petite étiquette de Duff. Et là, son petit. Ah, mais c'est Jbeu! Et là, son Wallet Bouton. Ah, mais c'est Jbeu! Bah, bien sûr, c'est Jbeu! Bien sûr, c'est l'homme qui nous amène des cookies. C'est moi qui lui ai donné son Wallet Bouton. J'ai fait, bon, mais cookies, c'était une tuerie. Tiens, prends ton Wallet Button. Et il jouait à Diablo en même temps. Il y a plein de joueurs lancés en ce moment-là. Ouais, bah la saison 4 de Diablo apparemment est cool. Le nouveau patch est super sympa. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'y remettent. J'ai envie d'y retourner, mais j'ai envie d'acheter MGS aussi. Catastrophe. Français de la rentrée. Ah, il fait ses devoirs de français. Ses fiches. Je vois ça, il est en train de s'intéresser à Romain Gary.
c'est ça ? J'avoue, je sais pas qui c'est Romain Gary. Je sais pas du tout qui est Romain Gary, mais bon, mes années de lycée et de français sont plutôt derrière moi. Hein, on ne se fait pas plus jeune. Résultat 4-0, Dark est qualifié, round of 16, c'est normal pour un joueur de son calibre, je pense qu'il faisait partie des favoris de ce groupe. Ouais, carrément. La question, c'est est-ce que Parting va terminer dernier de ce groupe ? Est-ce que le deuxième favori, est-ce que le deuxième favori va passer ou pas, quoi ? Parce que là, pour l'instant, il va falloir qu'il batte MMA, mais derrière, qu'il se recolle Sky High qui nous a surpris tout à l'heure et qui est chaud ce soir. On va voir un petit peu ce que ça donne, les amis. MMA contre Parting, ça arrive dans quelques minutes après la pause. Mon bon Funka, à tout de suite. À tout de suite.